continuer, c'est que une autre action qui a peut-être fait mal parler de lui, c'est sa ligne imaginaire rouge qu'il avait inventée à l'époque. En tout cas, une ligne qui lui permettait quand même d'interdire aux étudiants de marcher, peut-être pour aller délire à la balle au ministère de l'enseignement supérieur. Il faut signaler aussi au passage que, avec toujours dans le cadre de sa gouvernance, je crois quand même avoir entendu qu'il a fait sortir un arrêté préfectoral qui désormais autorise les citoyens béninois à aller faire les emplettes dans les supermarchés à raison de 50 000 francs pour les personnes physiques et plus de 100 000 francs pour les personnes morales. Tout voilà, le préfet du littoral est aussi à saluer en ce sens qu'il a pris des initiatives qui pourront, dans les jours à venir, permettre à notre ville économique, je vais dire Cotonou, de booster un temps soit bien sur le plan économique. Et il est en train de nettoyer Cotonou et toutes ces initiatives sont louables. Si c'était Touboula qui était à la préfecture de Cotonou depuis lors, Cotonou serait changé de visage. Et vous voyez, la jeunesse est très ambitieuse. Il a prouvé son talent en tant que jeune pour l'innovation et le développement de la commune, du département qu'il dirige et qui n'a qu'une seule commune. Et ce département est un département qui regorge tous les problèmes de ce pays, le Bénin. L'insalubrité et choses là, et l'insécurité grandissante, tout et tout. Il a su gérer ce qu'il peut faire de son mieux. Mais nous sommes dans un pays où le Béninois veut quelque chose de bon et en même temps son contraire. Je pense qu'il y a, de l'ordre, même si les gens disent que c'est exagéré. Je crois que maintenant, si les gens estiment que c'est exagéré, il faut une concertation entre le préfet et les autorités locales pour faire en sorte que l'ordre que le préfet souhaite soit respecté. Et je crois que c'est une bonne chose. L'autre chose, c'est que je constate que les panneaux d'interdiction de circulation qu'ils mettent, ils n'indiquent pas des circulations, ils ne donnent pas des indications pour permettre à ceux qui viennent là pour la première fois de savoir qu'on refuse de circuler, par exemple, à moto ou à voiture.